du chouchou. Il y a des bocaux qui sont pas actifs. Par contre, il y a des bocaux qui sont pas actifs. Je viens d'aller rentrer en fait. Je ne l'ai récupéré, je suis allé récupérer les choux. Il y a des bocaux qui sont pas actifs en fait. En fait, je sais pas je viens de dire. Je sais pas si je t'ai dit, mais il y a des bocaux qui sont pas actifs. Hein. Au fait, je sais pas si je te l'ai dit, mais. Oh. Se calme. Je vais aller voir Marnie vite fait là. Je vais prendre. La zone est infestée. Merde. Merde, 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 merde. Merde. Merde, je me suis mal pris. Aïe. Ah. Tu vois l'argent descendre, hein, c'est normal. Ouais. Ouais, je vois. Et je prends du foin. Ouais, ouais, stop, 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 stop. Là, il reste plus de 360. Ouais. Oh la vache, ils sont résistants, les enfoirés. La bombe, ça leur fait rien du tout, hein. C'était pas pour vous, la bombe. Ils sont résistants, ces foutus blobs. Oh putain, ma vie. Oh punaise, ma vie. C'est chaud. Oh, c'était chaud. C'est bon. Ok, good. Je crois que je suis obligé de tous les éliminer en plus quand c'est infecté. Ah bah oui, je pense, ouais. Je vais perdre toute une journée sur ça. Je sais pas s'il y a un caillou particulier pour les puits en plus. Je pense que c'est aléatoire. Ouais, je sais pas. En fait, je pourrais, quand je trouve la sortie, éventuellement continuer de creuser, mais le problème c'est que rien ne me garantit que j'aurai un puits. Donc j'ai peur de perdre du temps sur un niveau. Plutôt que de continuer de descendre. Pour le moment, ces mines-là sont pas si intéressantes. En termes de récupération de trucs, de stuff. Et surtout que tu payes à chaque fois pour y aller, quoi. C'est ça. Et le minerai tombe pas comme ça. Mon salaire safe ici. Là, mon plus gros problème, c'est surtout le temps. Ouh, totem. Ouh, il y a des choses intéressantes. Ah, voilà. J'ai dit qu'il y avait rien. Une bestiole qui arrive. Hop là. J'ai totem de téléportation pour la ferme. C'est inespéré. Oh punaise. Ah oui, ça c'est un énorme coup de bol. Ouais. Donc là je peux essayer de pousser un petit peu pour aller niveau 25. Oh là 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 là. Il va être une heure. Oh punaise. Je pousse mais jusqu'au bout. Aussi. Le jeu me troll. Y'a pas la sortie. C'est quoi cette arnaque? Y'a pas la sortie. Putain. Me dis pas qu'il faut que je bute un des scarabées invincibles parce que là je peux pas. Ah ouais. J'ai creusé quasiment tous les cailloux. Oh oh. Non, je vais être obligé de lâcher l'affaire. Ouais ouais, 1h50. 2h. Je me suis téléporté mais c'est mort. Ouais, moi je me suis évanoui mais dans la maison. C'est bon. Et j'ai dû m'évanouir parce que je ne peux plus bouger. Ouais, pareil. C'est une blague. Bah, si on s'est perdu des trucs, normalement. Bah, peut-être que si on. Non, mais je crois que quand on s'évanouit chez nous, non. Mais j'ai même ma barre d'énergie qui est à fond. Ah, moi, non, par contre. Tu as Narm, tu as de la chance que je sois tombé sur toi hier soir. Tu avais perdu connaissance et quelqu'un fouillé dans tes poches. Je ne sais pas combien ils t'ont pris. Ils ont fui dès que je me suis approché. Ah, bah, Linus m'a sauvé, mais. En fait, comme on n'avait pas d'argent sur nous, ils ont pas pu nous voler. D'ailleurs, on doit pouvoir avoir les. On doit avoir les matériaux pour faire. La machine à huile. Ah oui. Oh mais n'importe quoi. Là, j'ai déjà perdu du temps de toute façon. Je pense que de toute manière que j'y aille en avance ou que j'y aille en retard, ça va être totalement dépendant de ma chance. Parce que je peux y aller en avance dès la première heure et ne jamais avoir de puits pour aller tout en bas et y aller en retard et puis tomber que sur des puits genre qu'il faut tomber de 15 niveaux quoi. Oui, je pense aussi. J'espère vraiment qu'après, quand j'arrive au niveau 25, il y a un moyen d'aller directement au niveau 25. Ouais. Parce que si c'est ça à chaque fois pour pouvoir aller creuser l'iridium, putain la vache, ça va être une tannée. C'est un peu la crise, quoi. Oh. La paille... Vu qu'ils mettent des raccourcis régulièrement quand t'atteins un certain niveau, j'ose espérer. Je pense qu'il doit y avoir un moyen d'aller directement après au niveau intéressant. Enfin, 23h, j'aurais pas... Même en ayant le trou qui me mène à 15 niveaux en dessous. Au revoir. Faut que je refasse de la bouffe du coup, plateau de racines. Le truc auquel je pensais là, c'était que ouais. La raison pour laquelle je te dis aussi de se focaliser sur des plantes qui repoussent,
sans avoir à redépenser systématiquement pour de nouvelles graines, c'est que comme tu dis, ça coûte cher. Et là, le problème, c'est qu'on va jamais se faire des thunes si tu continues de dépenser pour de nouvelles graines qui repoussent pas systématiquement. C'est pas rentable. C'est pour ça que là, je dépense plus. Je te dis, je fais que des graines d'été là pour le reste. Oh, mais c'est pas possible là. Et je suis à 3 km de toi là. Tu vas pas me saouler, toi. M'énerve, tu vas mourir. Tu vas mourir. Ok, tu veux jouer. Deux fois. Sous les nerfs. Énerve le globe. Énerve. Meurs, meurs, roule. J'ai 10 000 pierres. On sent qu'il y a... Quoi? On sent qu'il y a du poulet en toi. Je communique avec les poulets. Oh, et oui, bah. N'empêche, aujourd'hui, que des poulets dorés. Ils se sont transformés en Super Saiyan parce que les poulets, je savais pas qu'ils pouvaient se transformer en doré, mais ok. Ce ne sont que des poulets heureux, je précise. 21h50, laisse tomber. Je vais perdre mon temps avec eux, je me casse. Ah, j'ai trouvé la quête des bains publics. Du collier perdu dans les bains. Attention, il est... Ouais, bah ça y est, mon personnage s'est évanoui à côté du coffre. Trop de travail. Ah, trop il se passe travail. Un truc. Oh, la petite fée, elle arrive. Ah, oh oh, je sais, quand elle vient normalement, je crois qu'elle fait un truc et je crois qu'on a une graine de carambole. Elle va cramer nos champs. Ou alors elle fait trop, elle fait pousser un truc, je sais plus, mais je crois qu'elle non, fait non. un truc. Non, elle crame nos champs. T'as pas utilisé l'argile? Ah non, pas du tout. Non, je dis, ça n'a pas utilisé l'argile quand j'ai fait le silo. Ah. Oh oh. Quoi? Bah t'as pas vu? Ah, que le truc était cassé? Oui, si, que le truc était sorti surtout. Oui, j'ai vu. Oh oh. Oh oh. Il est où? Je suis sûr qu'il s'est transformé en vache. En fait, il a pris la place de l'une de nos vaches. On va retrouver nos vaches mortes. Non, pour l'instant, en tout cas, elles sont toutes bien vivantes. Et ce matin, tout le monde me donne du lait. C'est quoi cette statue de hibou, là? Bah, je croyais que c'était toi qui l'avais posée, en fait. Ah non. Je sais pas d'où elle vient. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Je croyais vraiment que c'était toi qui l'avais posée. Non. J'ai combien de lait là? 4, 6, 8. Ouais, c'est bon, j'ai tout. Pourquoi le chat m'empêche de passer? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive, le mimio? Alors, le chat lui empêche. Un câlin, peut-être? Qu'est-ce que je fais? Je lui fais souvent des câlins, mais bon. Il se fait sa toilette et il est en train de me troller. Il a bloqué le passage pour aller vers le nord. J'ai pas été hyper productif, mais j'étais un peu choqué sur cette journée de l'ouverture inopinée de la capsule bizarre. Stardew Valley, le jeu le plus casu au monde, avec les jeux le plus, les trucs les plus horrifiques au monde. C'est ça. Tout le monde est gentil dans Stardew. Ouais, je sais pas. À niveau 10 d'agriculture, maître du poulailler. Je doute. Les liens d'amitié avec les animaux de la ferme se font plus rapidement, le temps d'incubation est réduit de moitié. Ça veut dire quoi? J'ai deux fois des œufs par jour? Non, temps d'incubation, c'est pour que ça. Les poules. Ça fasse des bébés. Les gens sont gentils, mais ils attendent un peu trop, surtout dans le village. Le maire qui est toujours là. Bon alors, t'avances dans ta ferme là, tu nous rapportes du pognon, tu fais un petit peu le truc de communauté là, s'il te plaît. Hein, parce que nous on attend, on est en train de siroter la bière là, à 5h on s'arrête de travailler et puis... va falloir se bouger un peu mon petit, hein. Oui mais moi, je suis là pour me détendre. Je voulais échapper à mon entreprise et au stress de devoir tout le temps travailler. Oh mais je m'en fous, elle hop là. M'en fous. Du rendement là, moi je veux du rendement. Allez, chop chop. Je me rends vers la maison parce qu'il est 23h30 et j'ai pas envie de tomber dans les pommes dehors. J'ai vraiment zéro, mais alors zéro chance aujourd'hui. Là j'ai passé ma session à, je te jure, miner quasi l'entièreté des cailloux de chaque étage pour trouver la sortie. Ne serait-ce que la sortie pour un étage. Ouais, ouais, bah oui. Je suis désolé, à niveau contenu, on n'avance pas beaucoup, là. Ça... C'est vrai qu'il y a des sessions où on avait beaucoup plus avancé que ça. Ah ouais, là, la mine...
Il y a eu des sessions où on faisait la mine, par exemple, l'autre mine. J'avais plus de bol. Là, je... Non. J'y arrive pas. Elle se fait ses thunes, hein, Pam, aussi. Hein. C'est ça, le truc. C'est que tous les villageois, c'est des arnaqueurs. 500 PO. C'est ça. Pour juste un bus. Qu'est-ce pour que un c'est... aller-retour en bus, ça fait cher le ticket, quand même. Ouais, ça fait cher. Hein. Oh, il est trop mignon. Et qui, le canard? Oui. Ils sont tout petits pour le moment, c'est des petits bébés. Alors, du coup, ils sont tout petits, tout jaunes. Et puis, quand tu les approches, ils font quoi? Mouais, 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 mouais. Non, j'ai dit mouais. J'ai dit mouais. Voilà. Ah. Autant l'exploration de l'autre mine, je l'ai trouvé sympa. Il y avait un petit côté ouais. Challenge et tout. Autant là, c'est très très chiant. Je trouve. C'est totalement RNG, c'est-à-dire que c'est vraiment. Si t'as du bol. C'est trop axé sur la chance en fait. Ouais. Et là c'est vrai que ça commence un petit peu à me peser en fait. Depuis le matin, ce matin je suis là-dessus. Et je suis d'autant plus, en fait ça me fatigue d'autant plus que tout à l'heure quand j'étais arrivé au level 24 et que j'avais creusé quasiment tout, que je ne trouvais pas la sortie pour le level 25, ça m'a vraiment vraiment énormément frustré et saoulé. Ouais, c'était très saoulant, ça va. Le problème, c'est que j'aime bien le farm. Enfin, le farm me gêne pas. Mais quand tu farmes un truc que tu sais que tu peux avoir. Genre, par exemple, quand on était dans la mine ou quand on est dans Minecraft, par exemple, tu vas pour chercher du diamant ou de la pierre. Ouais, bah ouais. Tu sais que c'est aléatoire parce que tu sais pas ce que tu vas avoir. Enfin, tu sais pas où est-ce que ça va apparaître. Mais tu sais qu'à un moment donné ou à un autre, en continuant et en persévérant, tu vas l'avoir. Aïe. Alors que là, non. Alors que là, non. Je me casse. Je tente pas ma chance. Ouais, moi, je pousse pas trop la chance non plus. Là, je vais rentrer à la maison. Et je vais crever. Tant pis, je prends le plateau. J'ai failli crever. C'est quand on veut qu'on trouve pas. Ouais, c'est ça. Ouais, et c'est oui, ça. Quand la télé dit... malchance en général, tu ne mines pas, ok. Mais je crois qu'aujourd'hui c'était normal. On avait vu. N'hésite pas à utiliser des escaliers ou de perdre du temps dans certains étages. Ah oui, t'as raison. Je vais en faire. Escalier. On va s'en faire 7, ça nous fait gagner 7 niveaux déjà. Mais 7 niveaux, ça peut être pas mal. Ça peut me faire gagner, genre si j'arrive à me rapprocher suffisamment, ça peut être pas mal pour compléter les niveaux qui restent. Ah mais oui, mais elle va pas venir l'autre tâche. Ah si, elle vient. Si. Elle vient quand même. Non, elle vient bosser, elle va pas à la fête hawaïenne. Elle va pas prendre gratuitement. Il faut que j'arrive au moins au niveau 18. J'arrive au niveau 18 et que j'ai plus de temps, je pense que je ferai utilisation d'escalier de la mort. Du. 25, ok. J'ai l'impression que ça change grand chose, mais. On peut aller plus bas encore? Ah oui, on peut descendre encore plus bas, ok. Veux-tu descendre encore plus bas? En fait, ce que j'espère surtout, c'est qu'on puisse redescendre à ce niveau-là. Là, il y a l'iridium par contre. Oh putain, c'est un crabe! Dégage. Au revoir. Téléportation. Téléportation. Sangoku. Vous avez réussi, je suis très impressionné. Profitez bien de votre récompense. 10 000. Péo. Oh. Ça valait le coup. On peut faire l'autre truc automatique. Ah oui. T'as raison. On va le faire. Alors, qui est-ce qui a bien travaillé, hein, Trazia? Qui est-ce qui a bien travaillé? Qui est-ce qui a ramené 10 000, là? Hein? Toi, t'as rien ramené depuis tout à l'heure. Si, si, je ramène depuis tout à l'heure, n'exagère-moi rien quand même, hein. Bonjour Marnie.
Magasin d'alimentation et de fourniture, est-ce que ce serait là? Oui, c'est récolteur forcément là. Récolteur automatique. Ouais, c'est ça, récolteur automatique. Vas-y, go, go, go.